Massipilou et Zonien, tous des noirs vêtus, les collègues des dames Kiki, Luke, Flavie, Christelle, ont ainsi manifesté leur indignation face à cette barbarie inqualifiable qui a coûté la vie à trois êtres humains, la défunte et ses deux enfants. Nous ne sommes plus en sécurité et nous avons peur pour nos vies et celles de nos familles. C'est pourquoi nous demandons le renforcement de notre sécurité dans nos lieux de travail et une protection pour nous et nos familles. Ces agressions et violences répétées faites aux enseignants inquiètent davantage tous les acteurs du système éducatif de la région. Cependant, nous restons convaincus de votre engagement et de votre bonne volonté à vouloir résoudre cet épineux problème de l'insécurité qui mine notre région. Nous croyons que des mesures et des actions vigoureuses seront prises pour solutionner notre préoccupation de ce jour. Par ailleurs, nous demandons que la lumière soit faite sur les circonstances du décès tragique et horrible de notre collègue et que le ou les coupables soient appréhendés afin qu'ils subissent toute la rigueur de la loi. Le représentant du chef de l'État, tout en exprimant la compassion de l'État ivoirien, a plaidé auprès des enseignants pour une reprise de cours avant de leur promettre que lumière sera faite sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique. Je vous remercie d'être venu pacifiquement me rencontrer, me porter l'information sur l'assassinat que j'avais déjà, mais surtout me venir me signifier la profonde tristesse qui vous anime. C'est ce que je constate. Soyez forts, soyez fortes. Ce qui est arrivé est abject. Ce qui est arrivé est abominable. C'est pourquoi il est important que désormais des mesures soient prises, même au niveau du recrutement, qu'il y ait des enquêtes de moralité. Et donc, Madame Le Drain, si les coups peuvent vaquer aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et nous avons des enfants qui sont des vôtres, nous avons des frères, des amis et autres. Et je voulais vous dire, chers amis, que cela est vraiment terrible pour nous tous. Soyez forts, relevons-nous et ensemble menons les enquêtes pour qu'elles aboutissent. Je vous remercie. Les enquêtes sont en cours pour mettre le grappin sur le meurtrier et de sources bien introduites, les choses avancent.